Forêt tropicale abondante, fantastique plage de sable blanc, bête sauvage à carnaval, sans pas oublier belle mesdames et tout, eh bien, ça c'est quelques bagages incroyables que vous avez découvert dans le pays Brésil. Même si nous connaissons les conditions difficiles que le monde connaît, ça fait plus qu'une année obligé tout le monde à limiter nos voyages. Mais lorsqu'il s'agit de faire du tourisme, le Brésil toujours été une destination de premier plan dans le monde. Si le Brésil c'est toujours une destination touristique, ça ne peut pas empêcher qu'il y ait un pays dans le monde qui arrive à découvrir un pile de choses étranges. Sauter dans le tunnel que vous découvrez en bataille, passer par plusieurs créatures extraterrestres, aller jusqu'à un pilote encore, eh bien, vous êtes installé confortablement pour la découvrir ensemble dans la vidéo ça, 10 bagages étranges, vous jouez dans le pays Brésil. Bonjour, bonsoir, famille, sans pas de connaissance, vous êtes content avec une autre fois encore pour vous présenter une nouvelle vidéo ça. Quand est-ce que nous parlons ensemble, 10 bagages étranges, vous jouez dans le pays Brésil. Avant de commencer, si vous pouvez vous abonner à la chaîne là, je vais vite faire ça couler même pour rater l'autre belle vidéo que m'a poté pour vous. Like vidéo à soi apprécié et puis partagez le cahier de nous poter le bail plus mon nouveau façon pour cahier de nous agrandir famille ça ensemble. Déjà, moi je vous remercie pour le support, on rentre directement dans la vidéo nous aujourd'hui. Un gros tunnel. Brésil c'est la pour plusieurs bagages tant que forêt, football, musique, festival et même art martial. Cependant, très récemment, le Brésil commence à gagner un peu l'attention à cause de plusieurs bagages étranges qui ont commencé à découvrir dans le pays. Nous avons pris un tunnel ça comme exemple. Si vous explorez quelque part rocheuse dans le pays, vous avez un pile grotte. Grotte ça a formé naturellement à cause de l'eau qui fond dans le rocheau et le processus ça a duré plusieurs millions d'années. Si vous regardez avec un peu l'attention au tunnel ça, vous avez gagné plusieurs gros griffes. Donc, l'on regarde les griffes, on peut rapidement conclure que c'est un gros animal qui a un gros griffe qui fait. Le Brésil préhistorique l'assemblé ses côtés un peu le gros monstre abrité qui a fouillé le tunnel. Même si l'animal exact qui a fouillé le tunnel, ça n'a pas été identifié, mais chercheurs ont plusieurs suspects. Ils ont choisi un gros animal préhistorique qui a créé les tatouages, Pampaterium ou bien géant au sol paresseux, tant que Megaterium ou bien Eremoterium. Ilo serpent. C'est sûr que l'île pas tape complexe, nous pas parler de il y a des caïmans glandés qui reconnaissent sur notre tour Ilo serpent. L'île est une île qui trouve dans l'océan Atlantique là, dans l'âge côte brésilien. Il s'assure une île qui est très connue pour un seul bagaille. Il abrite la plus dense population serpent venimeux qui est dans tout le monde là. Serpent ça n'a pas n'importe qui serpent ordinaire que nous cajons dans le monde là, il y a aussi des préférences plusieurs serpents à tête de lance dorée qui c'est serpent qui gagne plus de venin dans tout le monde là. Serpent ça a couvert toute île là tout et selon la dernière enquête que scientifique ont mené, il y a au moins un serpent par mètre carré sur l'île ça. Serpent ça a un venin qui agit très rapidement tout, au point qu'il catouille un monde dans moins que une heure. Il s'agit qu'à imaginer la vague personne qui a vu sous lui, donc c'est seulement quelque chose qui est autorisé pour aller là-dedans de temps en temps. Dernier habitant qui t'a vu sous il c'était un gardien avec la famille qui était malheureusement envahi par plusieurs serpents qui étaient tout yo dans une seule nuit. La bête à corne de Bahia. Créature diabolique s'est apporté dans la bête à corne de Bahia et c'est ça l'image qui gagne pour lui. Image était pas pour la première fois cette année 2007 et selon l'histoire qui t'a accompagné, c'est une jeune fille de 15 ans qui t'a passé dans la forêt qui t'est arrivé à capturer. Le wap gade image pour la première fois, ou t'as qu'à dire que c'est un monsieur qui couvre avec la boue, mais si vous regardez beaucoup plus près, ou pas image à plus sembler avec un crâne qui est humain. Ou cap gade le gâteau yon père de con sous tête li qui fait plus sembler avec un diable. On dirait que li kembe yon bagay nan mel tout. Il y a des gens qui disent que c'est un petit à petit, tandis que quelqu'un d'autre qui dit que c'est juste un zam. Un anaconda de 33 pieds de longueur. Travail dans le pays brésilien arrive à découvrir un gros anaconda de 33 pieds de longueur après que tu aies fini provoquer une explosion dans le grotte sacré de Altamira dans l'année 2016. C'était plus gros serpent que moi de la pote que j'aime. Serpent qui était occupé place à terre les Médisa, et il s'était un serpent qui était arrivé capturé à Kansas City, qui était mesuré 25 pieds avec 2 pouces de longueur. Gros serpent anaconda était malheureusement mouru, et selon le monde qui était sous place, c'était peut-être explosion qui était tout.
C'est pas totalement gros, ou pas question que le travail était obligé d'utiliser pour y soulever. Entreprise qui t'a concerté, c'est fait un peu de critique pour côté mon cap défendre les animaux, côté que fait connaître que c'est des grands types de zones qui étaient faites avant l'explosion, il est possible que y ait qu'à éviter, c'est pas à mourir. Les extraterrestres. Yon samedi après-midi, dans moment balade dans mois janvier 2016 dans ville sa ke le Varginha dans pays Brésil, te gen trois jeunes filles qui décidé passer yon chemin qui picote pour entrer la caillou pendant yon passe yon terrain qui gen gros sable là-dedans. Eh bien, yon t'a rencontré avec yon créature qui va ressembler à rien qui yon connait déjà. Créature qui pas du moins avant te gen pou bon grâce ak membre qui semble fait à caoutchouc selon yon nan mesdames yo. Li te gen tout plusieurs protections arrondi sous tête li. Il fait connaître tout que créature a te gen odeur qui terrible et puis qui te fort aussi ou pas qu'on sale bouffe souffle car la cause ou affaibli dans genou. Créature là qui te remarque toi mesdames et rapidement virer que lui et puis il court aussi rapide qu'il était capable. Nouvelle ça a très rapidement pour pas dans région hein, mais le fait que pas de l'autre observation extraterrestre ou encore avec preuve photo et vidéo donc ils considèrent que ça a tant qu'une identification qui pas vérifié. Le mégalodon. Dans ce cas, que garde côte brésilien ont arrivé publié, caméra hélicoptère ont arrivé capturer sur l'autre poisson qui construisement go dans moment opération. Officiel pas de remarquer gros poisson qui tape nager dans l'eau, mais dans moment on t'a prévisé image, il pas de quoi axe yo ça ont été filmé. Les on mesure poisson à partir de image là, il arrive jeune fait en longueur de 60 pieds. T'as gagné plusieurs experts qui t'ont analysé l'image à tout et au pas trouvé une pièce trace qui t'a qu'à montrer que l'image a été trafiquée. Les mille pattes géants d'Amazonie. Jeune créature en condition bagarre terrifiant pour quelques monde, mais là jeune créature qui a blessé et même tué, donc ça encore plus effrayant. Mille pattes géants ça, c'est pas mes plus grands mille pattes dans le monde là. Les cas atteignent 12 pouces ou plus, ou quand je les plus à côté dans l'Amérique du Sud, là, surtout en Amazonie et dans le Caraïbe. Les sur animal qui se mélange de plusieurs animaux, qui incluent 5 yo, amphibiens qui ont grand taille, arthropodes, reptiles et mammifères. Les sur animal qui sont très agressifs, nerveux et les sur carnivores. Les jeunes mangent les sous presque toutes les choses qui sont dans l'environnement. En plus des habilités les gens pour le chasser, les gens ont un qui passe seulement mortel pour les animaux, mais les cas potentiellement dangereux pour mon tour. Donc si l'animal s'attaque, les cas la cause de douleur grave, la fièvre et la fatigue. Le Mapinguari. Guillaume le chandel en date capsique l'en tribio, car vivent dans la forêt amazonienne brésilienne. Mon ne rapporte même bagage qui semblait à qu'un gomans qui semblait à qu'un paresseux qui vivent dans la forêt. Y'aurait les bagages ça sous des ping, donc peut-être non ça seulement compte pour simuler la peine que même mon qui est plus courageux dans ma tribu. Même si la description créative anti casse pas dire rien, mais sentir que t'as fait un peu de recherche sérieuse sur ça. Y'a fait qu'on est que dans quelques régions créatives a gagné des yeux, alors que dans l'autre, y'a fait qu'on est que les bagages plus qui ont yeux. Il y a quelques personnes qui parlent d'une bouche piante qui était grand ouvert pour manger les gens qui ont malheureusement croisé sous chemin. Tout tribu est d'accord pour dire que les créatures ont mesuré 7 pieds ou bien plus de les camper sous des jambes. Il y a un sort qui fait qu'il est agréable tout et puis il y a un pommel qui est couvert qui ne prend pas de balle ni flèche. Animal ça peut être un autre cas animal que vous pouvez identifier, mais le fait que Amazon a grand pile, donc il est possible qu'il y ait une autre espèce qui est cachée que la science n'a pas découvert. OVNI brésilien. Quelques jours après que le Pentagone te déclassifie quelques vidéos OVNI, tu as une observation OVNI dans le pays Brésil qui te fait sur façon internet là, côté que ça te bat un peu de panique, au point que tu as même fait allusion à une théorie du complot. N'a pas problème pour que OVNI aussi un sigle qui a pour signification objet volant non identifié. Selon rapport, toi OVNI te pas potentiel majesté dans le pays Brésil. T'es qu'un plus de 10 ans qui t'es commencé par être sur internet là, peu de temps après.
Dans vidéo ça yo, ou ka constater que trois lumières qui visible k'ap volé dans un motif triangulaire. Dans la commune qui trouve dans nord Rio de Janeiro, il y a plusieurs milliers d'habitants qui signalent que yoté ouais plusieurs lumières rouges en temps ciel là, juste à quitter 20 mai 2021, côté que en pile dans yo, yoté met yo sous traité à crédit. Clip yo semble ap montrer un clignotement lumière orange k'ap déplacé à travers ciel nocturne. Gouvernement brésilien était tellement pas observation ça au sérieux au point qu'elle était commandé la mettre l'IA pour l'enregistrer officiellement toute observation de vol qui pas identifié. Guillaume de cas gouvernemental qui dit que tout pilote militaire et civil et puis contrôleur aérien doit enregistrer toute observation OVNI dans le commandement national défense aérospatiale là. C'est un disparu étrange qui est aujourd'hui dans le pays Brésil qui m'a content pour vous dans la vidéo pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié, même si je vais prendre tout le plaisir pour me réaliser le pour vous. N'oubliez pas de liker la vidéo, partager, commenter et surtout, mettez au courant de toute nouvelle vidéo pour ne pas abonner à la chaîne là, Koulia. Merci parce que vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin et à tout de suite pour une nouvelle vidéo.